Somebody once told me the world is gonna roll me. I hate the shabby scoot in the shade. She was looking kind of dumb with a finger and a thumb and the shape of an L on her forehead. Comment est-ce que vous avez trouvé le public ce soir? Ils étaient très attentifs. Curieusement, c'est ce que j'ai dit au moment. D'habitude, on joue plus tard en soirée et donc ils ont tous un verre dans le nez. Et donc, ils sont un petit peu désinhibés. Ici, ils étaient particulièrement attentifs. Alors, d'habitude, ben, on est plus dans l'énergie pure. Là, ça nous a donné envie d'être un petit peu plus précis, d'être un petit peu plus dans la finesse, quoi, voilà. L'aventure Mister Cover a commencé en 2002. Et donc, on est rentré dans notre 11e année, cette année-ci, voilà. Vous avez fêté la 10e quand même. Ah oui, on l'a fêté dignement. On a fait toute une année de tournée avec un spectacle un peu best-of. Et on l'a clôturé en ancienne Belgique, donc c'était quand même assez sympa. Et on a tiré un souvenir qu'on sort justement fin du mois de juin. On a sorti un DVD donc qui va bientôt être dans les bacs, là, le 21 juin précisément. Et le nom de Mister Cover, ça t'est venu d'où? Alors, Mister Cover, mais cover veut dire reprise. Et on s'est dit, ben tiens, pourquoi pas créer la famille Cover. Donc il y a Mister Cover, c'est Monsieur Cover. Et puis il y a Lady Cover aussi, c'est Madame Cover. C'est un autre projet, mais qui fait partie de la même grande famille. Voilà, on pourrait dire qu'il y a John Cover, Jean-Marie Cover, Louise Cover, pourquoi pas, tout à fait. Pourquoi pas, oui, tout à fait. Et vous avez d'autres dates de prévues quelque part Alors les prochaines dates, on va passer par les fêtes de la musique. On est à Binche le 21, le 22, donc c'est au mois de juin, 21-22. On est à Vray-sur-Semois, donc on va beaucoup plus loin. Puis cet été, on est dans le Tournaisis, on est du côté de Bruxelles aussi pas mal. Ici, dans le coin, marche les Écossines. Voilà, ça c'est un chouette rendez-vous aussi avec les Écossinois. Les Marchous. Ah, ils vont me frapper. Les Marchous. Mais les Écossinois sont les bienvenus, évidemment. Oui, mais ils me regardent, ils sont méchants. Roxanne, you don't have to put on the red light. On est parti sur, en même temps il y a 15 ans sur un bal des Lampions qui est devenu tout doucement une petite Ducasse. Petite Ducasse, on a fait venir des groupes. D'abord Mister Cover qui est là maintenant chez nous depuis quasiment 6-7 ans. Donc c'est des habitués de chez nous. C'est des amis aussi également. Donc on les connaît depuis bien avant. Donc voilà, on a progressé, on a fait venir un groupe, puis deux groupes, trois groupes, quatre groupes, cinq groupes. Finalement, on est parti sur trois jours de Ducasse complète avec un programme. Mais la Ducasse des Marchous, c'est pas uniquement que des concerts, c'est aussi tout ce qui va avec, c'est une ambiance familiale. Il y a une fête foraine, okay. Il y a aussi des animations pour les enfants, c'est également... C'est bien plus qu'un simple festival de musique, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plus qu'un festival de musique, ça attire tout public. C'est pour les plus âgés, voilà, c'est pour les plus jeunes, ouais. Il y a des activités pour les enfants, fêtes foraines, des clowns, des grimages. C'est vraiment complet, quoi. Vous êtes bien amusé? Oui, super, fantastique, super festival, génial, franchement. Et vous êtes venu juste pour voir ou pour vous prévoyez quelque chose concernant votre groupe? Bah ici on est venu juste pour voir les copains déjà. Bon, on voilà. Savait que le groupe est excellent quoi. Ouais, on le savait. Donc c'est des amis, vous venez les soutenir. Exactement, voilà, que... voilà. Pour une fois qu'on peut être dans le public, ça fait plaisir, voilà, de partager du son de la façade. Et vous, on vous voit quand? Eh bien nous on nous voit à Senef, je ne sais plus. Juillet, le 1er juillet, c'est ça, voilà. Le 1er juillet. Cantiamo insieme. Depuis combien d'années est-ce que tu as ce groupe? Allora, gli Sneakers sono nati nel 1995 da un gruppo di amici che si è incontrato e amavano la New Wave. Infatti all'inizio Sneakers suonava le canzoni degli anni 80 come Spandau, Depeche Mode, Duran Duran, Cure. Dopo qualche anno abbiamo deciso di buttarci sui tributi. Abbiamo iniziato prima con i Cure.
abbiamo fatto per qualche anno un tributo ai Cure e poi nel 2000 abbiamo deciso di abbandonare tutto e buttarci solo e esclusivamente sul tributo ai Depeche Mode. Avez-vous déjà rencontré le groupe Depeche Mode et y a-t-il eu un contact? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Abbiamo incontrato i Depeche Mode io personalmente nel 2004, poi nel 2007 con il Plain the Angel Tour e poi Andy Fletcher è venuto in Italia a fare dei DJ set e lì c'è stato l'incontro ufficiale dove è rimasto molto contento del nostro show, anche il suo manager è rimasto molto contento e quindi da lì in poi è nato questo feeling che c'è con loro. Stiamo ultimando le prossime date per luglio e agosto e vi faremo sapere. Se volete potete consultare il nostro sito o andare su Facebook. Il nostro sito è www.sneakersdmtribute.com oppure ci trovate su Facebook con il nome SneakersDMTribute. All you ever wanted, all you needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. And enjoy the silence.